vous dites. Voilà, bah écoutez, c'est plaisir ce soir de commencer la fête. On espère qu'elle ira au bout. 45 ans de vie avec le SCO, donc je connais bien le club. On a vécu des joies, des moments difficiles, des pleurs. Et là, je crois que ce soir, ça peut être le début de la joie. On espère que tous les moyens sont réunis et que Angers va monter en Ligue 1. On attend ça depuis 21 ans. C'est l'opportunité, il faut la saisir, il faut aller au bout. Et voilà, une belle ambiance, une belle fête dans la ville, ça fait plaisir. L'économie va s'en ressentir, le maire et la municipalité suivent le SCO, donc c'est super. Belle ambiance. Vous n'imaginez pas un autre scénario alors, ce soir? Pas du tout, non, j'imagine pas du tout un autre scénario. On est trop près de la fin et c'est pas possible de s'arrêter là. Et après le stade, vous allez faire la fête en ville? Et après, bien sûr, il y aura la fête. Ce que je souhaite, c'est que ça se passe toujours dans la bonne ambiance, dans la joie, dans la fête. Et surtout pas déborder dans la violence, qu'on ait une belle fête, une belle image d'Angers quand ça sera diffusé dans les journaux, dans la presse, à la radio, à la télé, que sais-je. Okay.